J'espère que vous allez bien. On est le lendemain du dernier bout de vlog que vous avez vu. Puis là, vous vous dites peut-être, mais voyons, dans le dernier vlog, elle avait dit qu'elle allait laver ses cheveux et là, ses cheveux ont l'air dégueulasses. C'est parce que je les ai effectivement pas lavés finalement. J'ai fait du montage jusqu'à assez tard hier, là, quand même. Puis après ça, Gab a joué de la guitare, on a jasé, nanana. Fait que j'ai pris ma douche, mais je suis allée pour la version courte. Fait que c'est ça, je vais les laver aujourd'hui. De toute façon, c'est pas plus grave. Je vais me faire une couette lichée. Puis là, il est 8h30. Marie s'en vient vers chez nous. En passant, je reçois souvent la question à savoir comment je fais ma couette lichée. Si vous allez sur YouTube, là, puis que vous marquez Camille Harton, ménage roulotte. Parce que c'est dans un vlog où je faisais le ménage, la roulotte. Je vous explique comment faire ma couette lichée. C'est un des vidéos les plus aimées de 2022 en plus. C'est assez drôle. Fait que voilà. Bon, fait que je vais aller me coller ça dans le fond de la tête. Et voilà. Ce matin. Je vais brosser mes sourcils aussi. Là, Wilson est soupir en voulant dire qu'il est tôt le matin. Parce que je le dérange jamais. Vraiment avant 9h30, normalement, là, il reste couché quand même tard. Hein. Souvent, les gens, ils trouvent ça triste, genre que Wilson dorme dans mon bureau ou dans sa cage. Parce qu'en réalité, on ferme pas la porte de sa cage, on ferme la porte de mon bureau, mais il y a un lit en dehors de la cage, puis il y a un lit dans sa cage, puis il dort tout le temps dans sa cage. Les gens trouvent ça vraiment triste, tu sais, que Gaston dorme avec nous, mais pas Wilson. Mais la réalité, c'est que même quand on fait dormir Wilson avec nous, exemple à Noël, à sa fête ou des fois là, pour le fun, ben souvent il va finir par demander d'aller dans sa cage pour avoir la paix. C'est ça. Puis même le matin quand on ouvre la porte, ben souvent il reste là. Fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Fait que Marie devrait être ici vers 8h. Je vais mettre un petit swatch de parfum. Si vous ne connaissez pas ce parfum-là, ça sent vraiment bon. Miss Dior, là. C'était mon parfum secondaire pendant des années. Fait que là, Marie et Emma s'en viennent tranquillement. Gabrielle est dans la douche. Je vais regarder voir si je mets la barrière dans les escaliers ou si je mets quelque chose d'autre parce qu'on va quand même être trois avec Emma. Fait que je vais me préparer un petit peu à les recevoir. Ben, regardez qui est arrivé! Emma? Emma, j'ai mis Coco Melon, là, fait que... C'est pas meilleur profil. Elle a l'air bizarre. Non, elle a pas l'air bizarre. Elle est magnifique. Hey! Maman, t'as caché mon émission. Oh, excusez-moi. Hey, on fait un thumbnail. Hey, c'est bon, ça! C'est très, très bon! Marie et Emma sont partis. Ça fait déjà un petit moment parce que, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à tout rassembler les décos de Noël qu'il y avait dans la maison sur la table. Je vais mettre une petite émission. Je suis sur le point de terminer des Grassi, mais j'ai aussi remarqué que sur Prime Video, il y a One Tree Hill. Puis j'ai vraiment le goût de commencer One Tree Hill, mais en même temps, genre, t'sais, des Grassi doit me rester une saison ou deux max. Fait que je devrais finir ça en premier. Là. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en a, mais j'ai monté comme les boîtes, je sais pas si vous voyez, là, ici, puis le sac de déco de Noël. Ah, il m'en manque un, je me rends compte qu'il manque un sac. Pour commencer à ranger tout ça, je vais faire un timelapse en accéléré parce que, c'est ça, tu sais, je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais des fois à la fin de l'année, comme, tu sais, je fais des bilans, des recaps de l'année que j'ai vécu. Puis cette année, comme vous le savez, ça a été une année où est-ce que j'ai eu des mois plus difficiles là, à partir de, du mois de septembre. Enfin, c'est plus difficile pour moi de changement au travail, dans ma vie, dans ma famille, etc. Fait que même au niveau de mes amitiés, beaucoup de choses qui se trament dans ma tête. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est dans la fin d'année. Fait que je ne sais plus quoi ce que je veux. Fait que je suis comme dans ma tête. Fait que j'avais des petites émissions relaxées. Je vais prendre mes téléphones tranquillement sans pas oublier de me dire en fait que je n'ai pas de soucis.
Ici Camille au montage. Je suis crampée. Je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train d'écouter. Et un de mes personnages préférés décède pendant cet épisode. Mais je savais pas, là, tu sais, dans le sens où j'en suis rendue dans Degrassi, je l'ai jamais écouté par le passé. Je l'avais pas écouté jusque-là quand j'étais jeune. Fait que je suis zéro au courant de qu'est-ce qui arrive dans les épisodes à partir de maintenant. Et à quel point je suis une personne dramatique, on réalise que mon personnage préféré est décédé. Je vous laisse sur ce magnifique extrait. Est-ce que, hein? Oh my god! Bon, fait que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai eu le temps de prendre ma douche. J'ai pris une longue douche, je me suis exfoliée partout, j'ai fait mes soins, ça a vraiment fait du bien. En sortant, j'ai séché et plaqué mes cheveux avec mon Steam Pod. Puis après ça, j'ai écouté un peu de Degrassi. Gab, lui, a joué aux jeux vidéo. Puis là, ben, on se prépare à s'en aller à l'épicerie. Parce que finalement, on va recevoir pour le décompte demain, fait que ce sera pas la grosse affaire, là. On va aller chercher peut-être des chips, deux, trois petits trucs pour que les gens aient des petites grignotines. On va peut-être aller au-delà aussi parce que, ben, Gab, il rit de moi. Mais moi, j'avais le goût d'acheter genre des glow sticks ou de quoi de même. Il rit encore. Vu que c'est le 31, dans ma tête, ça fait festif. Mais comme, maybe it's just me, en tout cas. Fait que, on va aller voir si on peut pas trouver des petits trucs intéressants. Puis checker le salon, comment c'est genre grand et vide. Avec T-Will. Puis gardez la guette à Gab, comment ça fait beau. On attend un support, là, pour. Parce que là, juste à côté sur le mur. Mais ça va tellement être beau. Fait que c'est ça, on s'en va au de l'eau puis à l'épicerie. Fait que on va aller trouver des petits trucs intéressants puis je vais vous montrer ça au retour. Bon, fait que on revient de faire nos petites courses. Fait que je vais vous montrer vite vite ce qu'on a acheté. Il y a du Dollarama, de la pharmacie puis de l'épicerie. Donc des petits cure-dents comme ça, des cure-dents pour faire des saucisses dans le bacon. Gab, j'ai pris un gros poche-corn de clown. Parce qu'on va peut-être écouter un film à soir si je réussis à convaincre Gab. Soit le troisième Harry Potter ou quelque chose d'autre. Pour demain, Gab a choisi chip au ketchup, barbecue et all dress. Puis il nous restait, tu sais, comme vous savez, plein de restes de sacs de chips. C'est juste, ça a comme l'air fou de mettre un fond de sac de chips. Fait que parfois, on va avoir ça. Puis si on les passe toutes, ben, on passera les restes de sacs. Mais comme tu sais, je voulais avoir des sacs neufs, là. J'ai de la baguette que je vais tout de suite mettre dans un sac de conservation pour qu'elle soit encore molle demain. Ensuite, pour ce soir, Gab va manger une tourtière comme ça du Saint-Hubert. On a acheté pour demain des petites saucisses et du bacon. Comme je vous ai peut-être dit, là, je ne vais pas faire de souper. Il va y avoir comme des chips, des bonbons, des petites saucisses dans le bacon. Puis il va y avoir aussi ça. C'est la première fois qu'on achète ça. Rondelé. C'est Gab qui a choisi. Là. Ça a l'air bon. Fait que c'est ça, puis ça va être pas mal ça là, pour le réveillon de demain. On a acheté aussi le nouveau Creamer Delight au Caramel Waffle Cookie. Ça tombe bien parce que notre creamer était fini. Fait qu'on va pouvoir goûter à celui-là. Ensuite, Gab a pris deux boîtes d'ailes parce qu'il était vraiment pas cher. Fait qu'on va pouvoir en avoir dans le congélateur. Il s'est pris une bière, la blonde d'Ash... Blonde d'Ash... Dac bouffe. Parce que je suis peut-être attardée, mais j'ai comme de la misère à le dire. Ensuite, on a pris des petits jujubes pour demain. Puis j'avais vraiment le goût du jus. Là. J'ai passé la journée à dire que j'avais le goût de boire du jus. C'est quand même rare. Mais là, j'ai pris celui-là. Health Break antioxydant. C'est raisin, framboise, grenade. J'ai hâte d'y goûter. Je vous dirai si c'est bon. Ensuite, à la pharmacie, je voulais du shampoing sec. Puis quand je suis allée, moi d'habitude, je prends le Baptiste. Puis c'est 11,99 à la pharmacie. Puis là, le Dove est en spécial à 3,50. Fait que j'en ai pris 3, puis ça va m'être revenu moins cher qu'un Baptiste. De mémoire, je l'aime pas vraiment le Dove, mais en tout cas, on va l'essayer. Après ça, à la pharmacie, j'ai aussi pris ça. Si vous me suivez sur Instagram, j'en avais déjà parlé, là, puis depuis ce temps-là, je suis plus capable d'en retrouver nulle part. Mais c'est comme des petites pastilles que tu mets dans le fond de la douche quand t'es enrhumé pour dégager les voies respiratoires. Puis Gab est comme un petit peu enrhumé, fait que j'y ai pris ça.
Puis, j'ai aussi vu qu'il y avait du Tylenol pour enfants. Il restait une bouteille. Fait que je l'ai pris pour ma soeur, vraiment. Ensuite, au de l'eau, on a acheté des petits Méli-Mélo comme ça pour demain. Garde, je voulais aussi des genres de M&M aux pinottes pour demain. Ça, c'est pour moi pour ce soir. Garde, trip sur le popcorn de club. Moi, je trip sur le popcorn cheddar blanc de Smart Food. Fait que ça va être pour tantôt. Ensuite, on a pris 9 petits trucs dans même là qui font pfff, tu sais, quand que pour le décompte. Là. Fait que c'est ça. Des petits napkins, bonne année. Et on a pris des petits plafonds parce que, regarde, il riait bien de moi, mais finalement, une fois là-bas, il avait l'air bien partant lui aussi. Ça fait festif. Fait qu'on a pris des petits trucs pour mettre sur la tête. On a pris 2 modèles. Donc, on a pris le modèle comme ça, marqué « Bonne année ». Puis, on a aussi pris le modèle comme ça. C'est juste des petites enfants de même genre. C'est quand même cute. En tout cas, ça fait festif, là. C'est tout ce qu'on a acheté. Fait qu'on va ranger ça. Puis, on va sûrement préparer les saucisses dans le bacon ce soir. Genre, les faire pré-cuire pour demain, pour que ça soit moins long. Comme ça, quand il va y avoir les amis, on va pouvoir être avec eux. Puis profiter de notre soirée. Puis les saucisses vont juste avoir à être réchauffées. Fait que ça va être vraiment moins long. Fait que c'est ça. On va commencer à préparer ça. En fait, c'est pas vrai. Je vais goûter au jus avec vous tout de suite. Oh, ça sent les pommes. Genre, vraiment. Sauf que moi, j'aime pas le jus de pomme. Faites à base de jus de pomme. Faites à base de jus de pomme. Ça fait donc un chier. Genre, on s'entend que rien ne laisse présager que c'était aux pommes. Ah, ça sent vraiment jus de pomme. Merde. Je parle pas fort parce que Gab m'a dit de choisir un jus que j'allais être sûre que j'allais aimer. Fait que j'ai pris un qui avait l'air d'avoir pas d'agrumes, pas de bananes, pas de pommes. Non. Non. Fait qu'on a fini de souper. Il est rendu 9h30, ça fait un petit bout qu'on a fini de souper. Moi, j'ai fait un peu de montage. Puis là, ben, on va aller prendre un petit verre au bord du quartier. Fait que je suis comme habillée, on voit pas, hein. En tout cas, on voit bien les chandeliers avec ce chandail-là que je vous avais déjà montré dans un hall Ardennes il y a déjà un petit bout. Oups. Tu veux sinon montrer toi ton OO QN? Fait que toi, c'est quoi ton outfit là? Je t'habille pour aller braquer dans tout en noir. Ouais, fait que un petit coton watté Ben, je pense que vous l'avez montré déjà dans un hall Costco avec les pantalons qu'il avait achetés au Winners. C'est ça? C'est ça. Ça va? Oui. Fait que c'est ça, on va aller prendre un verre avec des amis. Fait que c'est ça, on va aller prendre un verre avec des amis. Fait que je risque pas de vous reparler vraiment. J'essaie de me mettre dans un éclairage avantageux. Je risque pas de vous reparler ce soir ben. Fait que ça va être la fin de ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve lundi, si je me trompe pas, pour un prochain vlog. Bye tout le monde!